messieurs les conseillers du président Sénégalais, responsables à vos grandes qualités, militants et sympathisants de l'IOPJ. Je voudrais vous transmettre les temps de notre président, le président de la cellule d'Alou. Aujourd'hui, au nom du président qui suit notre assemblée en direct, au nom de la direction nationale du parti, je voudrais vous remercier et vous féliciter. Hier, au bureau exécutif, vous avez pris l'engagement devant la direction nationale de faire de cette assemblée une assemblée extraordinaire, mais une assemblée qui va passer un message. Ce message, vous l'avez passé. Je pense qu'aujourd'hui, encore des doutes pour la capacité de mobilisation de l'EPG, vous êtes servi. Je voudrais aussi vous remercier. Depuis 10 ans, pour le combat que vous avez mené, si on parle de démocratie, alors si on parle de démocratie dans ce pays, incontestablement, c'est grâce à l'UPG, mais surtout grâce aux militants de l'UPG. Des militants engagés. Des militants qui ont sacrifié leur vie pour que notre pays soit un pays véritablement démocratique. Nous n'avons jamais oublié ce que vous avez fait pour ce pays. Je tiens à remercier toutes les fédérations, mais remercier, féliciter les jeunes de l'AS, Amdallah parmi vous. Ces jeunes, aujourd'hui, ont au cimetière de Bambéto plus de 260 de leurs collègues. A commencer par Dakaria, qui a été assassiné en 2011, devant nous, devant le président Sénégal. Le père de Dakaria, nous avons un exemple, il était toujours là, malgré qu'il a pris son fils. Il a dit que c'est pour, si c'est pour que ce pays soit un pays véritablement démocratique, il est convaincu que son père, son fils ira au paradis. Vous avez des hommes qui ont aussi sacrifié leur vie, qui sont là avec vous. Je vais ici. Faya Koudounou, qui est là parmi nous, qui depuis des années est toujours là, qui a tout abandonné. Le parti ne donne absolument rien, mais il est là. Les sages, les jeunes, on a été victime de beaucoup de choses. La mort de Roger Bamba, un jeune qui s'est engagé en politique, qui est venu au niveau du FDG, qui a tout abandonné, qui a été emprisonné, tué, qui aujourd'hui a sa femme, a ses épouses et deux enfants. Nous avons été victimes de tirs à balles réelles sur le véhicule du président sénégalais. Notre président bien-aimé. Aucun leader sur le plan africain n'a été aussi victime que le président Sénégalais. Il était toujours là. Et quand on a tiré sur le véhicule du président Sénégalais, ce que nous avons demandé à l'époque, le procureur est arrivé,
regardé et puis il n'y a pas eu de chute. L'assassinat des jeunes lors des différentes manifestations, comme l'a rappelé cette grande dame, cette attitude devant le récit. Des bébés ont été assassinés. Nous avons un jour bien plus de 10 jeunes qu'on devait entrer le même jour. Nous avons été cassés avec le mort. Nous avons été victimes parce que certains de nos collègues ont été arrêtés, emprisonnés. Vous vous êtes levés. Ce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez contribué, vous avez cotisé, vous avez assisté, vous avez préparé pour le collègue qui est en prison. Ils n'ont pas eu fait. Les médicaments ont été achetés, les familles ont été soutenues. Ça, c'est grâce à vous. Vous avez mené ce combat. Maintenant, je suis plutôt convaincu, puisque je ne reviendrai pas sur ce que le Seigneur m'a dit à vous-même, je ne reviendrai pas sur ce discours. Et donc, vous voulez savoir les nouvelles du président? Vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir les nouvelles du président? Alors je vais vous dire, le président sénégalais se porte excessivement bien. On voulait savoir quel est le moral du président sénégalais. Oui. Je vais vous dire qu'il a un moral d'acier. On voulait savoir qu'est-ce que le président sénégalais pense de tout ça. Oui. Sa maison a ici a été démolie. La maison de l'abbé, Madame Koua Manichi. La plantation qu'il a au Foukaya, on veut mettre ça aussi dans le domaine de l'État. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que ça, c'est pas important. Pour ces médailles, détruire sa maison, de quoi l'inquiéter, l'abbé, pas de la plantation. Non, ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse le président Senghor, ce qui est au-dessus de tout ça, c'est votre engagement. La vie d'un seul dîner est supérieure à la maison de Senghor, est supérieure à la plantation, est supérieure. Senghor ne se bat pas pour avoir une maison. Il ne se bat pas pour avoir une plantation. Il ne se bat pas pour de l'argent. Il ne s'est pas engagé en politique pour ça. Ce n'est pas un homme d'argent. Ce que c'est le souhait est que notre pays soit un pays de justice. Ce que c'est le souhait est que l'ensemble des Guinéens soit la vérité sur le même pied d'égalité. Ce que le président c'est le souhait, c'est que la richesse de ce pays soit répartie équitablement entre tous les enfants de ce pays. C'est que c'est le souhait qu'on soit fier d'être Guinée. C'est que c'est le souhait que la Guinée dépasse la Côte d'Ivoire du Sénégal. Pour ce combat-là, vous pouvez compter sur lui. Mais si vous cassez une maison de d'ici, de l'ami, de la plantation, si vous même la maison de Capo, si c'est pour ça qu'on peut atteindre le mental de ceux que vous ne connaissez pas. Je vous dis, cet homme, ce qui l'intéresse, c'est la vie de Guinée. J'ai vu ses loups quand on a cassé la maison ici. Quand je l'ai vu, il arrive, c'est pas grave. Mais le même présent, c'est loups, je l'ai vu. Dans ses
sont capables d'intimider l'UMDG. Personne ne peut intimider ce parti. Personne. Ce pays a souffert. Nous avons pensé honnêtement que entre les crimes de sang et les maisons, on ne recommence pas les crimes de sang. Ce pays a souffert. 200 jeunes tués, enterrés au cimetière de Bamako, nous avons pensé qu'on aurait pu au moins faire la justice pour ces gens. Nous avons pensé qu'il y a eu des événements douloureux dans ce pays. Le 28 septembre est un événement douloureux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'on se pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. En 2020, lorsqu'il y a eu cette élection que nous avons gagnée, comme je vous le dis, nous avons perdu à peu près 4 personnes qui ont été abattues. Nos collègues ont été abattus. Nous avons gagné ces élections. On avait la légitimité de réclamer notre victoire. Si on devait sortir dans la rue, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le président c'est le plus que tu as gagné. Nous te demandons de lutter ta victoire. Personne n'avait connu le colonel Mouya. Quand il est passé sur l'axe Amdela et Barbedo, les jeunes sont sortis. Ils l'ont appuyé. Quand il a tenu le discours qu'il a tenu, il a rassuré l'ensemble des Guinéens en disant nous allons traiter les Guinéens sur le même plan d'égalité. La justice sera la boussole. Nous allons tuer l'ethnie. Il a posé des actes forts. Notre siège était fermé. Il a demandé de libérer le siège. Nos collègues qui étaient emprisonnés ont été libérés. On a cru. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Monsieur le Président, colonel Mouya, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Entre votre discours et ce que nous sommes en train de vivre, c'est que vous étiez capable d'appeler les partis politiques. Ici, dans ce pays, les gens vous parlent de 150 partis politiques. Mais personne ne peut faire une réunion avec 150 partis politiques. Parce que ça, ce n'est pas une réunion, c'est une liaison. Il y a des partis représentatifs. Vous nous aurez appelé les partis. Même à la présidence, au bout des déjeuners, monsieur le président, vous nous aurez demandé qu'est-ce qu'on passe de la transition. Parce que nous avons souffert. S'il y a eu coup d'État, et le coup d'État a réussi, croyez-moi que l'UEPG a fourni beaucoup d'efforts. Parce que nous avons perdu beaucoup de choses, monsieur le président. On aurait pu vous expliquer tranquillement. Discuter avec vous, consultant, on regarde la date, et puis le chronogramme, le fichier électoral, hein, l'organe de gestion des élections, sans problème, le pays est escalé, la Guinée est citée en exemple, vous avez la possibilité, monsieur le président, de rentrer dans l'histoire par exemple. Qu'est-ce qui a failli? Qui vous a mis sur ce chemin? Qu'on est capable d'intimider les militants de l'UMDG. Qui vous a dit qu'on est capable de détruire l'UMDG? Qui était à côté de vous qui vous a dit que lui est capable
appelle voter aussi pour femme. Ils ne peuvent pas se regarder en face.
Il y a parce qu'on n'a pas divisé. C'est l'homme le plus riche. Il a des maisons à Dakar. Il a ceci. Il a même une maison en Israël. Donc, à l'impossible, nul n'est tu. Nous voulons la paix. Nous voulons que ce pays se calme. Mais nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. L'inacceptable, c'est le passé qu'on peut nous expliquer. Personne ne peut nous expliquer. L'inacceptable, c'est nous empêcher d'exercer le droit. Sinon, est-ce que c'est compliqué? Vous arrivez au pouvoir, on vous dit, c'est la tradition. Vous dites 39 mois. Mais ce que vous ne faites pas, c'est que vous n'indiquez à personne comment vous avez trouvé 39 mois. Parce que logiquement, sous le contrôle de celui qui est la commission électorale, on définit les activités, on les regroupe. À chaque activité, on donne un délai, on additionne le nombre de délais et puis on a. Expliquez-nous pourquoi c'est 39 mois. Personne ne s'écarte des avances. Le CNTM, qui, logiquement, doit jouer le rôle du Parlement, décide comme ça, d'une façon unilatérale, en violation de toutes les normes, malgré qu'il y a des hommes de droit, ils disent que eux, c'est la résolution. Ils prennent une résolution, ils disent non, c'est pas après 6 mois. C'est pas très fort, moi, c'est facile. On les demande pourquoi et comment vous avez, pourquoi vous avez aidé les 3 mois. Non, nous, en tout cas, c'est comme ça. Nous, on n'a plus de résolution. Tous ces gens n'aiment pas la Guinée, ne vous aiment pas, monsieur le président. Les ministres qui communiquent pour notre gouvernement mettent le pays en danger. Parce que chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, il complique la situation du pays. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, je voulais vous dire, et comme je l'ai dit, si le colonel Mouya accepte, revient à la raison pour qu'on se retrouve autour de la table, négocier, définir, donner la vie de la transition, il peut trouver un même désiré partenaire. S'il reste dans la même position, écoutez les autres, il trouvera bien désiré partenaire. Voilà, monsieur le président. Donc, moi, je m'adresse à vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez la responsabilité de ce pays. Vous avez la responsabilité des 12 millions de Guinéens. Si ce pays se calme, demain on dira que c'est vous. Si ce pays se détruit, on dira que c'est vous. Si quelqu'un meurt ici, on dira que c'est pendant votre gouvernance. Je pense qu'on a intérêt, tous politiques, forces sociales, à ce qu'on se résout pour sortir le pays de cette situation. Nous vous le demandons, quant à vous militants, vous avez suivi le discours ici, préparez-vous, soyez prêts. Restez à l'écoute de la direction nationale. Je sais qu'on n'a pas besoin. Quand on dit à 6h du matin qu'on a besoin de vous, vous allez sortir à 4h du matin. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Je connais le secret. Le président a pris 3 kilos de plus. Il est devenu plus jeune. Il est devenu plus beau. Et il est à voir. Et écoutez, le président Sédou, le jour où il doit arriver ici, croyez-moi, qu'on va vous informer, nous allons réserver un accueil digne. En attendant, monsieur le président, les militants vous disent bonjour. Je sais que vous êtes à Michel du parti. Nous sommes fiers de vous. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur vos militants. Je suis convaincu que lorsque vous serez président, la Guinée sera un pays.
bienvenue. Merci et à bientôt.